Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction de tout un chacun de vous en ce jour de joie, mardi dans l'octave de Pâques. Fils et filles du bon Dieu, alléluia, le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture, Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 36 à 41. Croire pour recevoir l'Esprit. Fils et filles du bon Dieu, c'est le temps de la conversion aujourd'hui. Puisque nous sommes ressuscités, ça veut dire la conversion s'est établie déjà en nous. Fils et filles du bon Dieu, tu as fait le carême. Tu as renoncé à telle ou telle chose. Ne recommence plus, c'est du fils et filles du bon Dieu. Essaie d'évoluer dans ta vie. C'est le temps de la conversion. À ceux qui accueillent l'évangile proclamé par les apôtres, le ressuscité veut donner son esprit. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Pierre disait, sachez-le avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous, vous avez crucifié. Pierre annonce le kérigme. Pierre n'y va pas avec des gants. Il ne prend aucune précaution oratoire. Il aborde son auditoire de plein fouet à partir des événements qui viennent de se produire, à partir de la dernière condamnation à mort qui a eu lieu dans leur vie. Fils et fille du bon Dieu, parmi ses auditeurs, il y en avait certainement qui avaient été mêlés à l'événement. Peut-être étaient-ils dans la foule qui, 50 jours, un peu plus d'un mois, avait crié à Ponce Pilate, à mort, crucifie-le. Et maintenant, il est ressuscité. Pierre a maintenant la force, fils et fille du bon Dieu, parce que quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. C'est l'Esprit Saint, fils et fille du bon Dieu. La force de l'Esprit Saint. Pierre qui avait peur avant que le coq ne chante, trouve que tu me régneras. Mais ce même Pierre va avoir le courage. Cette jeune fille va dire, c'est pas toi. L'un de ses disciples, Pierre va dire, pardon, je ne le connais même pas. Fils et fille du bon Dieu. Et j'ai dit, Pierre, annonce le kérigme parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose va se passer également aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, fils et fille du bon Dieu. Oui, en entendant cela, les gens eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Fils et filles du bon Dieu, le cœur transpercé. L'expression manifeste un bouleversement brutal. Ils saisissent tout un coup ce qu'ils ont fait et ils n'en reviennent pas. Fils et filles du bon Dieu, la parole de Dieu doit bouleverser chacun de nous, doit transpercer notre cœur pour vivre une vie autre avec le Christ. C'est la vie du ressuscité. Oui, fils et filles du bon Dieu. Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Amen. C'est déjà l'Église qui précise au changement des cœurs. Pierre est celui qui parle au nom même de Dieu. Il a pris pour ainsi dire la suite de Jésus, fils et fille du bon Dieu. Et les mots de Jésus lui reviennent spontanément. Convertissez-vous, fils et fille du bon Dieu. Convertis-toi, fils et fille du bon Dieu. Le carême a été fait pour ça, pour ta conversion aujourd'hui. Ressuscite avec le Christ, fils et fille du bon Dieu. C'est repentir, c'est-à-dire changer de vie. Faire des efforts, fils et fille du bon Dieu. Se faire baptiser, se recevoir le sacrement. Reconnaître la grâce de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, par cette prédication, 3000 accueillirent sa parole, la parole de Pierre ce jour-là, et se firent baptiser, fils et filles du bon Dieu. Les méditations de tous les jours, c'est pour que tu puisses te convertir et revenir à l'essentiel, revenir en Jésus-Christ ressuscité, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 20, versets 11 à 18, fils et filles du bon Dieu, la mission de Marie-Madeleine. Pâques inaugure une situation nouvelle. Il ne s'agit plus pour Marie-Madeleine de s'attarder aux pieds du maître, mais de porter son message à ses disciples, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit que le matin du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine restait au dehors, près du tombeau, et elle pleurait, fils et filles du bon Dieu. Après la version de Matthieu, voici celle de Jean que nous allons méditer aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Alors, Marie-Madeleine se penche vers l'intérieur du tombeau, tout en larmes, et elle y découvre deux anges vêtus de blanc assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où le corps de Jésus avait reposé. Fils et filles du bon Dieu,
Oui, elle aime tellement Jésus. Elle est tellement triste de l'avoir perdu, fils et fille du bon Dieu. Le corps n'est plus là. Le tombeau est vide, fils et fille du bon Dieu. Oui, la découverte du tombeau vide n'a jamais été présentée comme une preuve suffisante de la résurrection. Il y a le linceul qui a été plié. Il y a tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais surtout, ce sont des apparitions qui donneront la force aux apôtres, aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle qu'il est vraiment ressuscité, fils et fille du bon Dieu. Et voilà, qu'est-ce que le texte nous dit? Le Christ dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» La réponse en enlevait le Seigneur, mon maître, fils et fille du bon Dieu. C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Pourquoi pleures-tu? Femme, homme, pourquoi pleures-tu? Fils et fille du bon Dieu, dans notre vie, il y a des pleurs. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, pleurent de maladie, pleurent parce que papa n'est plus à la maison, ne revient plus à la maison à l'heure, pleurent aujourd'hui parce que ils sont devenus orphelins, on n'a tout plus, pleurent aujourd'hui pour plus de paix dans notre pays, le Gabon, à travers le dialogue aujourd'hui, que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui sont là-bas pour donner une impulsion nouvelle pour notre pays, le Gabon, mais qu'il puisse bénir chacun de nous pour plus de réconciliation au plus profond de notre cœur, en nous-mêmes d'abord, fils et filles du bon Dieu. C'est bien beau de parler dialogue là-bas, est-ce qu'en toi-même il y a le dialogue? Est-ce que dans ta famille il y a le dialogue? Est-ce que au sein de ton groupe, mouvement ou communauté il y a le dialogue, fils et filles du bon Dieu? Ça doit commencer d'abord au plus profond de notre cœur. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, soyez des hommes et des femmes ressuscités, fils et filles du bon Dieu. Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? C'est toujours Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui se fait reconnaître toujours fils et fille du bon Dieu en l'appelant ainsi par son nom Marie. Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». Jésus est maintenant tout autre fils et fille du bon Dieu. Oui, Marie voulait retenir Jésus, mais Jésus purifie ce sentiment trop possessif. Il l'envoie en mission vers les autres. Fils et fille du bon Dieu. Tout chrétien aujourd'hui encore ne peut connaître vraiment Jésus que dans la mesure où il porte témoignage de lui dans le monde, près de ses frères, de ses sœurs. Fils et fille du bon Dieu. Est-ce que ma foi me permet de reconnaître Jésus comme il l'a dit? Dans les événements de ma vie, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi, nous dit le Seigneur. Dans mon propre cœur, demeurez en moi et moi en vous. Dans l'Eucharistie, ceci est mon corps. Dans l'évolution du monde, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans les ministres de l'Église qui vous écoutent, m'écoutent. Dans les pauvres et les petits, j'avais faim, j'étais en prison. Voilà les attitudes dans chacun de nous. Allez à la rencontre de l'autre, relevez l'autre. Fils et filles du bon Dieu, soyons des véritables témoins de la bonne nouvelle, les véritables témoins de la résurrection. Soyons en chacun de nous des chrétiens ressuscités, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est à travers le quotidien de notre vie, à travers notre expression de vie, soyons des ressuscités. Fils et filles du bon Dieu, et aimons nos vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. C'est Saint-Michel de la gloire, là nous sommes de l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, yayo, et tokos de Pâques en tout et chacun de vous. Merci Seigneur. Thank you.
Dans la devise.